Dieu créateur de l'univers invisible et visible ce matin. Muti kokwe na miapo mawo mawo anyigba kletifo ola kifei miele kokle miele kwola. Nous en sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continuera à faire. Ya mi dakpene kede de nu yo kaka o lewole mi abagbe me eyo akava wota. Et chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA, nos vies RTJVA participent nous pour là-haut. Nous voulons vous saluer encore ce matin. Et recevez la grâce de Dieu. Et cette parole qui sortira de nos bouches ce matin. Et puisse vous édifier. Puisse rehausser votre morale. Puisse vous relever. Et vous connecter à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous donnons à notre exhortation le thème des trois sources d'une vie renouvelée. Ya, tanya imie tsona mia penu kwa menya fongli ya tanya be agbiade ye wo yeye pe exoto pe enua meton yo kenye pe komedo pe. Ya, une chanson qui dit si nous recevons Jésus, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Seigneur, voici ta parole. Elle se renouvelle matin, midi, soir et nuit. Elle renouvelle et renouvre la vie humaine. Quand nous ne sommes que chair et sang. Et sans toi, nous ne pourrons rien faire. Tu marches avec ceux qui ont la vie renouvelée. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Les trois sources d'une vie renouvelée.
Dieu dit, je ferai toutes choses nouvelles. Ne considérez pas ce qui est ancien. Alors Dieu est un Dieu qui renouvelle toutes choses. Et il aime marcher avec ses enfants renouvelés. C'est pour cela que l'Ancien Testament est l'ombre de la Nouvelle Alliance. Du Nouveau Testament. Et parfois nous croyons que ce sont les apôtres qui ont commencé, les disciples qui ont commencé avec une vie nouvelle. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont eu une vie nouvelle. Qui étaient de nouvelles créatures. Dont la vie a été conforme à la parole de Dieu. Et c'est ceux-là qui ont eu la faveur de Dieu et qui ont pu marcher avec Dieu. Alors, lorsque nous nous référons à ce passage de l'apôtre Paul aux Corinthiens, il commence dans le même verset par si quelqu'un est en Christ. Il n'a pas généralisé. Il a personnifié. Il a spécifié. Si quelqu'un, si toi, tu es en Christ, toi, tu es différent de moi. Et elle est différente de moi. Nous pourrons être des jumeaux. Nous serons des pensées différentes. Nous serons des émotions différentes. Les sentiments différents. Alors il va falloir que chacun prenne ce verset dans son propre sens. Et chacun puisse savourer ce passage. Chacun puisse essayer de décortiquer ce passage dans son authenticité afin de savoir en qui il est. Est-il en Christ? Ou bien dans l'église? Ou bien dans le monde? Les trois questions reste à se poser. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc ce qui suppose que c'est étant en Christ que nous serons une nouvelle créature. Quand Paul parle de la nouvelle créature, cela suppose qu'il y avait une ancienne créature. Cela suppose qu'il y avait une ancienne vie. L'ancienne vie parce que nous étions dans le monde. L'ancienne vie parce que nous étions sans Christ. L'ancienne vie parce que nous étions sans la lumière. L'ancienne vie parce que nous étions dirigés par le prince de ce monde de ténèbres. L'ancienne vie parce que nous étions, notre vie était régie par les principes de ce prince des ténèbres de ce monde. Maintenant, quand on parle de la nouvelle vie, de la nouvelle créature, ce qui suppose un transfert, le transfert d'un ancien royaume à un nouveau royaume. Donc l'ancien royaume avait ses lois qui régissaient la vie de ses victimes. Et
le nouveau royaume aussi avait à ses lois qui régissent la vie de ses adeptes. Et fialoupe yemha yebso le yeklona yeba meyo kata lemea. Alors pour avoir une nouvelle créature, pour être une nouvelle créature, mena watrosu nungo woye yela, il faut être en Christ. Que elena meabe wano Christo me. Il faut demeurer en Christ. Elena meabe wano Christo me da. Il faut vivre en Christ. Wano akbele Christo me. Il faut avoir les deux pieds en Christ. Aha, afwa me feo wano Christo me. C'est pourquoi Christ a dit. Que yata Christo globe. Vous devez vous attacher à moi. Elena meabe miakude mutinye. Je suis le chef. Aha, mi alene tinye. Ela bena enyenye achila. Et vous êtes les sarma. Eye mi oenye alodjuyao. Et si les sarma ne s'attachent pas au chef. Ene yeba tiaba alodjuyao me tade me lede achila. Ils sont coupés et retranchés. Mais s'ils sont attachés au cep, ils porteront de fruits. Et sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc, il est une nouvelle créature. Pourquoi est-il une nouvelle créature? La personne laisse les anciennes choses passer. La vie ancienne passée. On ne voit plus la méchanceté en toi. On ne voit plus la haine en toi. On ne voit plus la colère à outrance en toi. On ne voit plus l'immoralité sexuelle en toi. On ne voit plus la vie de sournoisie en toi. On ne voit plus la vie ruissée, la vie d'hypocrisie en toi. On voit maintenant une vie transparente. On voit maintenant une vie de vérité en toi. Dans la gestion des affaires financières, on voit la transparence. On ne voit plus ce qui est caché. On ne voit plus la cupidité à toi. Alors, quand on parle de la première source, quand on parle de la source, on parle du lieu de provenance. On parle du lieu où projette quelque chose. Maintenant, nous aborderons les trois sources d'une vie nouvelle. Azola, Jotopo Amaton, Yonia Akbe, Oye, Jotopo Lamia, Akerouanchi. La première source d'une vie nouvelle est Banto, Jotopo Banto, Isimia Toa Sira. La parole de Dieu. Et Maubenya. Le devoir de tout chrétien est de connaître, vivre et de proclamer la parole de Dieu. La parole. Connaître, vivre et proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance qui modèle notre vie, qui rénove notre vie. Et si nous pouvons voir la conversion des âmes lors des croisades, lors des cultes, alors nous pourrons parler du baptême d'incorporation. Le baptême d'incorporation. C'est-à-dire nous idou améame. Aha, ok, nous idou améame. Et nous igero améame ben sideta. Ya. Donc c'est-à-dire la parole qui est rentrée en cette personne. Ya. Comme il y a enyai que gede améame. C'est pourquoi lors de la conversion. Et y a tel et si me t'as trompé, il. On ne doit pas imposer quelqu'un à se convertir. Oma sida meare chibenoa atrochime. La parole de Dieu lorsqu'elle sort, n'aimau ben yato kola. Elle sort avec puissance.
couple nous sait. Et quand elle rentre en cette personne, elle saisit ses sentiments. Yeah. Elle saisit ses émotions. Elle saisit ses pensées. Elle modifie ses pensées. Elle transforme ses pensées. Elle secoue le cœur. Et c'est ce qui amène la personne à prendre la décision à aller lever les deux mains. D'où nous voyons l'importance de l'authenticité de la parole de Dieu dans la vie d'un être humain qui a la capacité de, lui, de faire de lui une nouvelle créature. Yeah. Et cette parole, lorsqu'elle visite la personne, elle opère de l'intérieur à l'extérieur. Si aujourd'hui nous assistons à la vie d'hypocrisie de beaucoup de chrétiens, c'est parce que la base a été faussée. Lorsqu'on prêche l'évangile, on dit aux gens, si tu reçois la parole, si tu reçois Jésus-Christ, tout va marcher pour toi, tout va changer pour toi. Non, disons la vérité aux gens. Dans 2 Corinthiens 16, Paul pouvait déclarer, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et le peuple oui a dit le Corinthiens tout est félia marqué le peuple oui a dit et attends 2 Corinthiens 4 aha et Corinthiens tout est félia et dane le peuple oui a dit mais et globe et attends le dimanche a mis en haut que ne voilà, le renouvellement de jour en jour de notre intérieur provient de la manifestation de la puissance qui agit dans notre fort intérieur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a pu résister à toutes les épreuves auxquelles il était confronté et aux tentations et aux embûches que l'ennemi dressait devant lui. Et il y a un démon apostolo Paolo Bena, au thé noté de tout po, yokatan, ou va pas encore me parler, tete poople, mochenu, tiens yokata futova tade mochinea, ou te potopolo wakata me chiru du toi. La puissance de cette parole était en Jésus-Christ lui-même, c'est pourquoi, quand Satan disait à Jésus sur la montagne, quand il est écrit, Jésus répondait aussi, quand il est aussi écrit. Et nous sommes en Yesu me le yime abosan va no bogone bena wala wonglo dibe na Yesu kena nya de ti vevie grane be wonglo di ha be o ganglo di ha le kebe. L'auteur aux Hébreux pouvait mettre une distinction entre 2 catégories de personnes. Ya hebre bale anglo la ede fofototo dans Hébreux 4 verset 2, les Hébreux car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Le hebito tamene pokwe efia me a eglobena elabena o gbonya nyu la fia miao ha abewa maoke ha ene gake nyasi wo sela me defia deke na wa mawo o
elabena amesio cela pour forcément de capler nyala. Donc cette parole lorsqu'elle sort, nous devons l'accueillir avec foi et en l'accueillir avec foi, elle s'établit en nous et nous pousse à porter des fruits. Et ya ta nyaya ne tokola le kebenya ne tokola nyelo la foi pa kle khose et ne nyebe mi foi kle khose la et ya agena de miame et ye o de na vie o tena ku kede o. Mais lorsque cette parole est annoncée et ne nous sert à rien, c'est que nous n'avons pas accueilli avec joie ni avec foi. Et yanda ne ba nyaya dogo et ye mate defia de ko la kama le gaime mie se la mi mo khoe pa kole chucho pa kole khose o et yanda e fili ade kama dogo chue mo. Et c'est pourquoi quand Jean disait à l'important, nous n'avons ni argent ni l'or pour te donner, mais lève-toi et marche. La Bible déclare que l'important regarde fixement Paul et Jean parce que sa foi a été motivée par la parole qui sortait de la bouche de Paul et c'est ainsi que le miracle s'est opéré. Et y a ta yé Bible à Globena, et yé Johannes, et yé Gede, Bafam à Bol, la Motutu Tom à Bol, et yé Oblene, et yé la Motutu Tom, non coulent de Wanchi Gabura Benade, Ojanaï Gaya, Bamme Coton et Nella, Johannes, Huaji Blone Benade, et Ga, Aloklo Salomé, le Mia Simia Chona, von nous, le Mia Sia, Yemia Chona, et yé Bele, Yesu Christ, la Topon Comela, Titenaso, nous cataye au pomme Vavanedo, et la Benuka Gaïmeye, apostle Olonia Grola, la Motututa, et le Kuruantiga, et Nya nomadum, Kenya nomadula, et Nya, et le Woyupe Tolle, Yupe Meme, Ova Tumutila Legota. De la même manière que Paul, en face de cet important à l'Istre, Nenemake, et Paul Ohaiova, et Tempo Wakmanko, et la Motututu Male, l'Istre, pendant qu'il pressait avec autorité, l'important a fixé ses regards sur Paul. Amen, la motus toi, elle est bon pour garder Paul aussi. Paul aussi avait les regards fixés sur lui. Paul a bon pour nous voulu garder. Sacha qu'il avait de la foi pour être guéri. Et même au même moment, Paul rentra dans cette foi et luttait par ses mélodies. Mon frère, lève-toi. Ya, Makela, Paul te gougoui. Et y est toi si si cette parole a le pouvoir de renouveler, elle a aussi le pouvoir de guérir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dénonce les carences des chrétiens des chrétiens du 1er siècle et en même temps ceux d'aujourd'hui qui tentent comme autrefois de saper l'autorité de la parole de Dieu. Apôtre Paul là kamuna nous yo kenye nous manyo manyo le Christ auto ban to ade o me premier siècle aha yo nye egban ame yo kenye hihe gban to ame to bakle ame yo nye egbebe Christ to eye enya fe aku akwanye nye mele o mo aka mo na o fe de eta. Et c'est pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 4, verset 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'atterrons point la parole de Dieu. Et il y a des Corinthiens qui ont fait l'état de la vie, mais là, il y a des gens qui ont fait l'état de la vie. Eye mie son ale adan vom o eye mie ba ni me badana e maunya la ha o. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ya kafi bon mie toi nya te pe pe de defia de ami ado kufia amo kata pe titinya le mau pe nkume. Donc ce qui suppose que celui qui a en lui la parole ne fait rien de caché, ne fait rien de discret, ne fait rien de sournois, car cette parole révèle la vérité et demeure la vérité, la lumière en elle. Et à ta maïmé, et n'y a pas n'y a pas là. Moi, on a un kele wawamo, moi, on a un kele vivitimo, moi, on a un kele manya manyamo, et la belle que ben n'y a pas 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 n
Paul dénonçait le fait que les messages contenus étaient faussés. Ya, et ta Paul là, elle n'a rien de n'a d'oyoke, et on a la pagnao, le apôtre Momono défia pour la pogna n'a qu'à la pagnola, rien de antivéfi. La manière dont les gens sous-estimaient la parole de Dieu. Léye à Momona de quelle mena maupagnao. Les Corinthiens sous-estimaient la valeur de la parole de Dieu. Léye, Corinthoto, ou dona for maupagna, pas si cojita. La manière dont tu refusais d'agir conformément à la parole de Dieu, à la vérité. Ya, allez yo bena, allez wa son, wa deso, alo wa de mau benya, benya te peti allez yo bena doa, genya doa antiva. Il dénonçait le fait qu'il se jouait subtilement de la parole de Dieu. Gaka mon enfefi, d'allez yé, wala wa tona mau benya, tona me, to wa pe aye mon wado, ome. Il dénonçait le fait qu'il diluait la parole de Dieu, qu'il salterait la parole de Dieu et il ne se recommandait pas cette parole. Gakana mona ou gakana mona veut venir d'aller au touchi maubenya va quoi au touchi eta parce que l'aller au matchona de quelle mona gobina n'y a pas si haut. La deuxième source d'une vie renouvelée. Agbade yé woyé yé peut trouver effelia. Le grand trésor qu'est le Saint Esprit. Yéyé domenino nueto. Toujours étant dans 2 Corinthiens 4, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Que sinon nous sia les miasi les anigouome bena nous se peut agbososo si bakola nanye mauto. Amen. Une vie triomphante renouvelée de chrétiens vient du trésor qu'abrite ce vase fragile qu'est notre corps. Apiare ikeye ponti doudoula nye Christo topa gbeya ike ponti doudoula etona et Etuna aguyade, ikeni miapo mutila meye. Que l'apôtre Paul compare à un temple du Saint-Esprit. Yé, apôtre Paul le chant et sorbaclé betofo. Il dit votre corps est le temple du Saint, est le temple de Dieu. Et yé, au bloc côté ben miapo mutila la nye maube betofo. Et le Saint-Esprit réside dans votre corps. Et yé, bokokuya enona miapo mutila meye. Alors si nous sommes vraiment le temple de Christ, le temple de Dieu. Et yé, t'as nié ben vafa miyé maube betofo la. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui va demeurer dans ce corps. Comment? Et elle opère à partir de l'intérieur comme la parole de Dieu. Dieu, on parle de l'esprit supérieur qui résidait en Daniel. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui donne la capacité de vaincre tout mal et toute adversité et non notre chair. C'est pourquoi Paul donne une interdiction formelle en disant ne vous conformez pas à la chair, ne vivez pas selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Et Paul va tesser à venir benade. Donc, Paul, lorsqu'il parle de la chair, il parle de la nature humaine. Il parle de l'incapacité à mener une vie paisible, une vie nouvelle. Ici, il ne parle pas d'avoir une vie, une personnalité charmante, intelligente ou instruite. Depuis, il y a un peu de temps.
amegbeto aɖe yi ke yentɔ yeƒe nunya alo te sukulu kaka edase ɖe gba alo sue si amenye yebe nyagbɔwo le teƒe ya o si parle du trésor qui est le saint esprit ke teƒe ya ele nu ƒom ku ɖe domenyinu yi nye gbɔgbɔ kɔkɔe ya ŋuti ce trésor forme la vie de christ en nous le ke ƒe domenyinu ya etuna kristo ƒe agbeɖo le mia me et la manière de te parler avant on ne parle plus on ne parle plus ainsi le yebe va lealala alei le ƒona nu etsã la magava nɔnu ƒom nenema ke o car le saint esprit accompagne la parole le be gbɔgbɔ kɔkɔe ya edene amegbe na nya et tous deux produisent des effets positifs ou négatifs comme nous voulons eye woame fea la wo wɔna nu wo ɖena tsesi akpanyiwo kple akpasagawo da ɖe abe alei mie tsi ene c'est pourquoi la veuve de Sarepta après la résurrection de son fils elle a fini par dire à Élie le prophète je reconnais maintenant que tu es un vrai homme de Dieu yeah. et toute parole qui sort de ta bouche est vérité eya te Sarepta ba hosi alei meye via foto kuko o dome vola e do tsesi o vuo mena Élie abena re azon ko menye me do tsesi bena re mawu pa mentonto enye ayi nyasia nyai dona go tso wo nu mela enye nyatepe il vit renouvelé est une vie lumineuse agbe ade ye C'est pourquoi, lors de la création du monde, la première chose que tu as appelée, c'est la lumière. Comme Dieu m'aimait lumière, il a appelé la lumière. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est pourquoi quelqu'un qui veut avoir une nouvelle, qui veut être une nouvelle créature, doit se séparer d'avant les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est la vie mondaine. Les ténèbres, c'est l'idolâtrie. Ce qui peut avoir un prix sur ta vie. Et t'empêcher de marcher avec Christ. La troisième source pour avoir une vie renouvelée. Il faut l'espérance. Il faut espérer en Dieu. Il faut reconnaître que Dieu est tout et fait tout. Dans le verset 18 de 2 Corinthiens 4, les Corinthiens veulent que Esi nye lea nkude nu si wo kpona la ŋu o ke nu si wo ma kpona o la boŋ ŋuti nye lea nkudo elabena nu si wo wo ma kpona la mesena yina o ke nu si wo ma kpona o la nu anyi tegbe tegbe amen Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, 18. Un poids éternel de gloire, c'est ça, non? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Effectivement. Alors nous devons espérer en Dieu. Elle est l'ami Benade, mi a donc de maunu. Pour que nous soyons une vie renouvelée. Et Benade a payé porte trop a payé hier au soumis ainsi. Nous devons agir librement. Elle est l'ami Benade, mi a wonu fan. Avec joie, amour. Après tu jocles lolo. En toute sagesse. Les si j'établis vos mains. Et selon notre conscience vivante. Et par plein les niabes titiens à noix. Nous devons espérer en Dieu. Elle est l'ami Benade, mi a donc Si nous allons voir les choses visibles, nous ne pourrons pas aller. Mais nous devons voir les choses invisibles. Christ. Et ce mystère. Ce que la parole de Dieu peut faire. Ce que la puissance de Dieu peut faire. Tu l'espères. En toi-même. En reconnaissant que notre vocation est la réconciliation. Ce qui est primé au vu et au su de ça.
nyanyame. Au vu et au su du monde. Aha, le khikhia me kata pour pou kou me kwa kolé pou nyanyame. Alléluia. Amen. Donc réalisez que Christ est notre refuge. Et mi nou la tête Jésus, mais Christ enye mi apo mon sese. Jésus-Christ a besoin d'une vie renouvelée. Jésus-Christ le enhia akbe ado yo ke tro yeye. Celui qui a une vie renouvelée, mais ici akbe tro yeye. A le pouvoir de marcher avec Dieu. Ten tete souci bo atin sople ma ou. Il est un vase d'honneur. Enye boubou pe plouye. Et non un vase d'usage vil. A manye enye a plouye ou sana kou basa basa ou. Et il entretient de profondes relations d'intimité avec Dieu. Enye le keba meela, kadodo inona ou plema ou tomela, enye kadodo te toua de plik pa de. Donc sans cela, et Emmanuel mela, au lieu de garder des âmes en Christ, laisse même y aller Christ ou le et bien le loupeau le Christ ou madaré là et de les maintenir et nous les disperserons et ce serait un danger public et à travers ce à fokunami le nous devons enseigner la repentance de la fiatime le changement de pensée tamo soube toi totro le renouvellement de l'intelligence nous n'y a pas nous devons faire de Jésus notre tout. Nous devons marcher avec lui. Tous ceux-là qui ont marché avec Christ étaient ceux-là qui avaient en eux la parole, qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu et qui espéraient en Christ. Et ces trois sources maintenant nous conduisent à bâtir une vie chrétienne. Et à bâtir une tour autour de nous. Et nous avons la protection. Et notre vie est garnie. Et notre avenir est réservé. Et le plan de Dieu pour nous sera réalisé. Car les gens verront Christ au travers de nous. Dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos attitudes, dans nos interventions, dans nos rapports avec les païens, dans nos rapports avec les chrétiens, avec notre entourage, avec nos cohabitants. Les gens verront un changement. Les gens verront une nouveauté de vie dans notre vie. Et nous marcherons de nouveauté en nouveauté. Parce que nous avons fait disparaître ce qui est ancien. Cela ne dépend pas de notre de nous-mêmes. Mais de l'Esprit de Dieu que nous permettons à agir en nous. C'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA, est-ce que tu reconnais ces trois sources? Est-ce que tu es connecté à ces sources? Est-ce que tu as permis à ces sources de couler en toi? Jésus nous appelle de venir à la source. Afin que l'eau vive jaillisse de nous. Et si ces trois sources sont reconnues et maintenues, la cohabitation, c'est-à-dire la communion chrétienne, aura sa raison d'être. Le Christ top, le Christ tomela, fafade. Et nous allons nous donner la main d'association. Et nous deviendrons forts. Et les âmes viendront au Seigneur. Mais si nous ne prenons pas ces trois sources au mot. Et si nous ne les considérons pas. Si nous ne les sommes pas actifs dans nos vies,
Alors notre existence sur terre serait vaine. Et le retour imminent de notre Seigneur Jésus serait une surprise pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, je voudrais t'exhorter. Et m'exhorter, nous exhorter à revenir à ces trois sources qui constituent la puissance qui donne une nouveauté de vie. Lorsque nous marchons dans une nouveauté de vie, notre supériorité est garantie. Alors, Jésus veut que toi et moi puissions nous donner comme des sacrifices vivants afin de vivre en lui et que toutes choses deviennent nouvelles en nous afin que nous ayons des pensées renouvelées, des émotions renouvelées, des sentiments renouvelés, disciplinés par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous sommes prêts. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, oui, nous voulons le faire. Nous voulons aller. Mais la chair est faible. Mais toi, tu es le Dieu qui venge tes enfants. Et tu nous as rachetés par ton sang. Et tu as fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Et nous sommes supposés mener une vie de sanctification. Et Pierre a dit, comme celui qui vous a appelé est saint, vous devez être saint dans toute votre conduite. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons que les anciennes choses partent. Nous voulons que les anciennes choses soient consumées par le feu. Nous voulons que tu nous donnes la capacité d'identifier les trois sources, de reconnaître les trois sources, de vivre à partir des trois sources pour que notre vie soit modélée, transformée et renouvelée. Nous n'allons pas regarder seulement ce qui est visible, mais aussi donner l'importance à ce qui est invisible. C'est toi qui as dit à Samuel, l'homme juge selon l'apparence, mais moi, Dieu, je juge selon le cœur. Donne-nous de nouveaux cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de la foi pour accueillir ta parole. Nous avons besoin de la foi pour accueillir ton esprit. Nous avons besoin de la foi pour accueillir l'espérance. Nous voulons t'espérer et marcher avec toi. Nous voulons demeurer sur ta voie. Nous voulons que notre vie soit fondée sur toi. Nous voulons focaliser notre vie sur toi. Nous voulons, Seigneur, te regarder sur la croix. Nous voulons, Seigneur, voir l'œuvre salvatrice que tu as accomplie à la croix afin que nous puissions en jouir. Merci pour ce changement qui a commencé par s'opérer dans nos vies. Merci pour ton intervention. Merci parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Ainsi, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Yes, nous en prions.